On va commencer la séance dans 3 petites minutes. Alors, excusez-moi, je suis en train de faire 2-3 réglages. Bonsoir Omar. Tac. Là du coup, je sais juste que j'ai un peu de ça. Hello, Westside. Je laisse arriver un petit peu tout le monde et dans une minute on démarre la séance. On va pas faire une séance très très longue aujourd'hui. On va faire une bonne séance de 45 minutes. Elle sera pas très longue en termes de temps comme d'habitude, mais on va bien travailler, il y aura pas beaucoup de pauses. Et puis après, comme d'habitude, on fera un bon étirement. Avant d'aller manger et avant d'aller se reposer. Voilà, on démarre dans on démarre là dans une minute. Ok, le temps que tout le monde arrive un petit peu au fur et à mesure. On va se mettre en place tout doucement, il est 18h59. La séance est prévue pour 19h. Donc on attend encore une petite minute, le dernier qui arrive. Et après, c'est parti. Donc on va faire un petit échauffement. Ensuite, on fera une bonne série d'abdos avec un peu de fessiers. Donc mesdames, si vous êtes là, restez-vous. Messieurs aussi, c'est pour vous. Et puis on finira par un petit tabata cardio pour terminer la séance. Et puis voilà. Ah, dommage, Mohamed, bah, tu pourras la faire plus tard si elle t'intéresse. Allez, c'est 19h, on commence. Et puis, merci pour le direct de Zagreb. Allez, on commence avec un petit échauffement. Allez, on descend tranquillement. Je vais juste enlever. On descend tranquillement. Ok. On s'étire. Doucement, sans à-coups. Et je relève, allez, je bascule en face, ok, sur les côtés, côté gauche, et je rebascule en bas, ok, en arrière, côté gauche. De l'autre côté, allez, on se tire bien, et je rebascule une dernière fois en bas, ok, allez, dernière fois, à gauche, et à droite, ok, allez, on se dit tranquillement, avec les poignets et de l'autre côté, on fait super et les genoux, allez 1, en extérieur 2, 3, 4, 5, 6, à l'intérieur 1, 2, 3, 4, 5, 6 et je descends doucement. Remontez, descendez, remontez, une dernière fois, ok, allez, et en 1, 2, allez, on reste pendant toute la séance, si on est connecté, elle ne va pas être longue, 3,
4, 5, 6, 7, 8, et dans le temps. 1, allez, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et la nuque. 1, allez, 2, 3, 4, dans le temps. 1, 2, 3, et 4, et mes épaules. En haut, je redescends. En haut, et je fais le tour. 2, 3, 4, de l'autre côté. 1, 2, 3, 4. Ok. Allez, on s'étouffe rapidement. On n'a pas besoin d'un gros étouffement. Juste, je lève les genoux et je serre les abdos en même temps. Donc, je contracte. 1, allez. Allez, 4, 5, 6, 7 et 8. Et les talons fait 1, le même. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et de l'autre côté, allez, 1, 2, 3, 4. Allez, 5, tous ensemble, hein, 6, 7, 8. Ok, et en alternant genoux, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et en alternant, 1, talon, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ok, allez, en arrière, en avant, tranquillement, hein, on ne met pas de vitesse là, tout de suite, parce que de toute façon, on va perdre la muscu, du renforcement, donc c'est pas la peine. En passant vers l'arrière, vers l'avant, vers l'arrière, vers l'avant, et je tourne ce côté. Boum, boum. Ok. Ok. Allez. Enchaînement, échauffement très rapide, 5 minutes. On commence par nos séries d'abdos, et au fur et à mesure, on s'adaptera, d'accord? Je vous baisse avec. Allez, et c'est parti. Ne bougez pas, tout le monde. Ok. On commence donc avec nos séries d'abdos. Excusez-moi. Ok, parfait. Premier exercice, je vous montre. On est comme ça. Je suis face. Et là, je maintiens et la chandelle. 1. Ok. Donc, 2. 3. On fera 15 répétitions comme ça. On effectuera 3 fois le même exercice. Ok? Allez, on démarre. C'est parti. Les mains posées au sol. Je me mets bien droit. Je dos bien droit. Ok? Et là, j'effectue ma chandelle. Je descends. Je ramène. C'est parti, tout le monde? Allez, c'est parti. Il y aura un palier à 12. Ceux qui veulent s'arrêter à 12, s'arrêtent à 12. Et un palier à 15. Final. Pour ceux qui veulent. C'est parti. Allez. 1, 2, 3, allez, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Premier palier, 13, 14, 15. Repos. Donc là, avec vous, vous pouvez garder la bouteille d'eau, la serviette. On va être dans un premier temps beaucoup assis tout près du sol, vous gardez un endroit. Gardez votre bouteille d'eau avec vous. À chaque fois que vous en ressentez le besoin, une petite gorgée. Récupérez. On va repartir pour le même exercice. 12 temps, 15 temps, vous choisissez. D'accord? Allez, c'est parti. 1, 2, 3. À votre rythme, hein. 4, 5, 6, 7, 8, 9, allez, 10, 11, 12, premier palier, 13, 14, 15, et récup. On récupère tranquillement. Bonsoir Mika.
plateau là. Récupérer un petit peu. Donc là, on commence une bonne partie d'abdos. Ok? Allez, c'est parti. On enchaîne. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez, allez, 9, on tient, on tient. 10, 11, 12, premier palier. 13, 14, 15. Ok. Récup. Allez, récupérez un petit peu. On enchaîne. Je vous montre le prochain exercice. Ok, c'est pas très très physique aujourd'hui, ça va être essentiellement musculaire. Donc accrochez-vous. Deuxième exercice. Donc ça, ça fait les crunchs, vous connaissez très bien. Je suis comme ceci. Et là, je vais descendre. Et je laisse, je ramène. Ok? Donc descend, on ramène. Les pieds bien plaqués au sol. Pour ceux qui n'arrivent pas à garder vos pieds plaqués au sol, ils les mettent sous canapé ou sous quelque chose. Et là, les pieds sont maintenus et je vais faire mes allers-retours tranquillement. Ok? C'est ce que je vais faire d'ailleurs. On part pareil sur 12 ou 15. Donc ceux qui arrivent à en faire 15 dans ton 15. Ceux qui veulent s'arrêter à 12 parce qu'ils veulent travailler assez, ça leur fait très très mal, ils s'arrêtent à 12. Ok? Allez, on démarre pour notre deuxième exercice qu'on répétera 3 fois. C'est parti. Allez. 1. 2. À votre rythme. 3. 4, 5, 6, allez, 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 tout le monde. 7, 8, 9, 10, 11, 12, premier palier, 13, 14, et 15. Ok, on a fait une fois. Récupérez. Soufflez. Toujours bouteille d'eau à côté de vous. Ok. Et on enchaîne. On va faire une bonne partie de renforcement et une bonne partie après de retour au calme. On va bien bien étirer pour bien commencer la semaine avec de bons étirements. Ok. Allez, on repart pour notre deuxième série. C'est parti. Allez, 1, 2, 3, allez, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, on s'accroche, tout le monde, on s'accroche. Et palier 1. Allez, boum. Allez, 14. C'est quand même plus dur quand on s'accroche pas les pieds, pour info. Allez, petite récup tranquillement. Vous allez m'haïr parce que moi, mes récup, elles sont vraiment, vraiment courtes. En visio, c'est assez difficile de faire de longues pauses parce qu'il y en a qui s'en vont et qui reviennent plus. Je ne sais pas trop. Donc, je repars et quand vous avez l'envie de repartir, vous repartez. Ceux qui peuvent repartir en même temps que moi, repartez en même temps que moi. Allez, cesse de bavardage. On part pour notre troisième série comme ça. Et dernière, et c'est parti. Allez. 1, 2, 3. Allez, tout le monde, on s'accroche. 4, 5, 6, 7, 8, 9, allez, 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 10, 11, tout le monde s'accroche, premier palier, allez, 13, 14, et 15, allez, petite pause un peu plus longue. Pendant ce temps-là, je vous montre le prochain exercice d'abdos, la chandelle. Cet exercice d'abdos va travailler.
travailler un peu plus le bas des abdos, pour info. Donc on est allongé sur le dos. Ok, donc je suis allongé sur le dos. Mes jambes, tout est plaqué, ok. Mon dos est bien contre le sol. Et là, je vais juste monter. 1, 2, et là, il va falloir vraiment porter. Je veux pas voir ça. C'est pas la même chose. Là, c'est en l'air. Un maximum le plus devant. Ok. Et là, on est vraiment sur le bas des abdos. Allez, on commence dans une minute, pour que le temps de se mettre en place, de se mettre en position, s'allonger, et c'est parti. Donc là, c'est pareil, 12 ou 15 répétitions. Ok. Allez, je m'allonge. Je me mets en position, tout le monde, et on démarre. Dans 3, 2, 1, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Premier palier. 13, 14, 15. Et je relâche. Allez, c'est cela. Pause. À chaque fois, je fais des pauses entre les exercices à peu près 30 secondes, pour info, comme ça vous savez un petit peu calibrer la séance. Donc c'est souvent entre les séries 30 secondes, et entre les exercices en général c'est une minute, le temps de bien récupérer, de se préparer pour le prochain exercice. Donc là évidemment, il nous en reste 15, récupérer un petit peu. Vous allez voir, la séance elle n'est pas très très dure, pas très très longue non plus. Et on va terminer vraiment sur un bon étirement qui a fait du bien à tout le monde. Allez, c'est parti, on enchaîne pour notre deuxième série de cet exercice-là. Allez, je me positionne, je mets les jambes bien droites, donc je suis à 90 degrés. Et c'est parti dans 3, 2, 1, stop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, allez, allez, 11, 12, 13, prenez pas les pieds, 14, 15, normalement cela vous pouvez aller jusque 15. Allez, on récupère quelques secondes, donc on remet en position, et on effectuera notre dernier exercice d'abdos, on passera au gainage un petit peu avant de continuer. Allez, c'est parti. En place. Derrière comme ça. Allez, en place. Et c'est parti. 1, 2, 3, 4, allez, 5, 6, 7, 8, allez, allez, 9, 10. 11, 12, premier palier, 13, 14, 15, ok. Allez, on a fait 3 exercices d'abdos. On bascule sur un exercice, donc climber, vous connaissez. Je suis sur mes mains, ok. Et là, je monte, 1, je monte, 2, plusieurs variantes, soit en face, soit sur le côté, soit sur le côté. Vous pouvez tous les alterner si vous voulez. On prend 12 répètes ou 16 répètes. Encore une fois, vous choisissez. Allez, on récupère encore 30 secondes et on enchaîne. Récupérez bien. Visez votre petite bouteille d'eau. Tranquillement. Et là, d'ailleurs, allez, c'est parti. Premier bloc comme ça, on en fera 3, on va arriver là. Allez, top. 1, 2, 3, 4, pliez légèrement les bras. 5, 6, 7, 8, 9, 10, allez. 11, 12, premier palier. 13, 14, 15, 16, et je relâche. Allez, relâchez tranquillement. On enchaîne dans 30 secondes.
pour le même exercice. Récupérez bien, buvez si vous avez besoin. C'est parti, banzai. Allez, en position. Et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Allez, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Allez, si tout le monde a tenu, c'est qu'il n'y a pas besoin de palier, que tout le monde est capable de le faire. Allez. On enchaîne bientôt avec notre troisième et dernier exercice, série de cet exercice-là. On aura notre petite variante après. Allez, c'est parti. On continue, troisième série. En position, et top, allez, 1, 2, 3, pour plus de difficulté, on plie légèrement les bras, 4, 5, 6, 7, serrez les abdos, 8, 9, allez, on tient, 10, 11, 12, premier palier, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et je relâche tranquillement. Récupérez, soufflez, je vous montre notre cinquième exercice de gainage des abdos mélangés. Donc là, pareil, je suis en position de gainage, les bras tendus et 1, je lève, 2, je lève, ok, donc j'alterne, comme ça, 1, 2, donc là on travaille et le fessier, et les abdos, et le maintien, donc les épaules. Ok? Allez, on démarre tout de suite, et on fera 12 répétitions, ou 16 répétitions, comme pour les autres. C'est parti, tout le monde en place, top! Allez, 1, restez 2 secondes en l'air, 2, 3, 4, pliez les bras légèrement pour plus de difficulté. 5, 6, 7, 8, 9. Allez, allez tout le monde. 10, 11, 12. Premier palier atteint. 13, allez, 14, 15, 16. Et repos. Respirez. On enchaînera trois fois pareil cet exercice-là. Allez, récupérez. Et c'est parti, on enchaîne. Deuxième série comme celle-ci. C'est parti. Allez, 1, 2, 3, 4. Allez, 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 5, on tient tous, ok, allez, 6, maintenez, maintenez, 7, 8, 9, 10, 11, 12, premier palier, 13, 14, allez, 15, 16, allez, super, super, on maintient, on lâche rien. Allez, on est déjà à une bonne vingtaine de minutes de la séance. Récupérez bien. On refait cet exercice-là. Ensuite, du gainage normal statique. Et on enchaînera un petit peu par du bas du corps. Allez. C'est parti. Dernière série comme ça, les amis. Allez, tous en place. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, allez,
5, 6, 7, 8, 9, 10, allez tout le monde, allez, 11, 12, premier palier, 13, 14, 15 et 16. Et on relâche, on relâche. Allez, c'est pas parce qu'il n'y a pas de salle qu'on ne peut pas s'entraîner. On trouve le moyen de s'entraîner. Restez jusqu'à la fin de la séance, réalisez la séance, faites-la, faites du sport à la maison. Essayez vraiment de prendre soin de vous un maximum. Et c'est aussi en faisant du sport qu'on prend soin de ça. Par des étirements, des retours au calme, c'est vraiment très très important en cette période assez difficile. Voilà. La Fédé vous met en place ça et essayez d'en profiter un maximum. Voilà. On enchaîne avec gainage normal. Donc 30 secondes, je suis en position gainage, je baisse bien les fesses, je rentre les abdos. Ok ? 3 fois 30 secondes. Et là, il n'y a pas de panier, hein, tout le monde tient. Et on y va dans. Allez, 3, 2, 1, tout le monde en bas en mode gainage. Allez, et je maintiens. Allez, 1, je maintiens. J'ai le chrono, je ne triche pas. Je vous dis quand est-ce qu'on arrête. Je vous dis à 20 secondes. Ceux qui planchent à 20 secondes, pardon, pas qui planchent, mais qui estiment avoir fait leur temps de gainage, vous pouvez relâcher. Il n'y a pas de souci. Allez, 20 secondes, 20 secondes. Serrez bien les abdos, baissez bien les fesses. 3, 2, 1, et je relâche. Allez, on a effectué une fois. Il nous en reste deux comme ça. Allez, on s'accroche, on s'accroche. Dépassez-vous un petit peu. Essayez d'aller chercher un petit peu à chaque fois plus loin. Si à 20 secondes, j'en fais plus, j'essaye de maintenir un maximum jusqu'à un temps de 30 secondes et la fin du groupe, ok? Alors on part dans 5, 3, 2, 1, et c'est parti tout le monde. Allez, on y va. On baisse les fesses, on serre les abdos. Allez, allez, on maintient, on maintient, on maintient. Un maximum possible, on maintient, on maintient. On lâche rien, on lâche rien. On maintient la position. Allez, on a 15 secondes. Allez, on a fait la moitié, on a fait la moitié, il ne reste rien. Il ne reste rien, les amis, il ne reste rien, on s'approche. Allez, 5, 4, 3, 2, 1, et stop. Allez, il nous reste une série comme ça de gainage. On s'accroche, on la fait tous ensemble et personne ne lâche à la maison, ok? Personne ne lâche. Allez. Allez, accrochez-vous, accrochez-vous. Dépassez-vous. Dites-vous que c'est la petite séance avant d'aller doucher, d'aller manger et d'aller vous reposer. Dites-vous qu'elle va vraiment vous faire du bien à la fin. Allez, on repart. Boum, c'est parti. Je baisse mes fesses, je rentre les abdos et c'est parti 30 secondes. Oui, le chrono était déjà parti. Pour ceux qui se le demandent. Allez, on s'accroche, on s'accroche. Allez, 5 secondes, on a fait la moitié. C'est de plus en plus facile, j'espère pour vous. Si vous voulez vraiment des résultats, il faut s'entraîner régulièrement pour se dépasser et vraiment avoir un rythme de vie comme ça. 5, 4, 3, 2, 1, et top. Allez, on récupère un petit peu. J'ai un petit peu au passage pendant la pause des quelques commentaires qu'il y a. Merci Loïc. T'inquiète, prends ton temps et je reste disponible tout le temps de toute façon. On récupère un petit peu. On va passer sur des exercices un petit peu de bas du corps. Donc les quadris, on va faire squat suivi de force. Ok, je vais vous montrer. Je vais mettre un petit moteur un peu plus élevé. Et voilà.
Donc, premier exercice, on répétera 30, excusez-moi, squat, on va chercher 30, on va chercher 30. Ok? On le répète 6 fois, parce que c'est un peu lourd pour les cannes. On répète 6 fois, donc boum, boum, ça fait évidemment 1. Ok? Allez, et c'est parti. Tous ensemble, stop, allez. Boum, descendez. Squat. Pense. Allez. 2. 3. Allez, allez, allez. Et 4. Et maintenant, tous à la maison. 5. Et 6. Dernière. Ok, je relâche. Allez. Relâchez. Après, on aura un exercice. Là, on va mixer les trois exercices. Je vous le montre. C'est squat, pied, squat, pied. Ok? Allez, récupérez un petit peu. Pendant ce temps, c'est des jumping. Allez, la semaine prochaine, ça sera du cardio, donc préparez-vous dès maintenant. Hein. C'est parti, on descend, et là, on en fait 10. Ok? Stop! Allez. 1, 2, 3. Allez, allez, 4. 5, 6, 7, allez, allez, 10, on s'accroche, il n'y a pas de palier là, 9, 10, super, allez, récupérez quelques secondes, allez, récupérez quelques secondes et on enchaîne avec l'exercice. Donc là, je suis en squat, je suis de profil, ok? Je descends squat, je saute, boum, et pied. Ok? Donc je monte de profil, je descends, je saute, en redescendant de mon saut, je suis prêt à envoyer mon pied sec. Ok? 5 fois à droite, 5 fois à gauche. Ok? Vous allez voir que l'exercice, c'est fente, squat, sauter, et boum, j'envoie. Ok? Allez, 3, 2, 1, c'est parti tout le monde. Allez. Bam! Faites bien la forme, la soie, je saute, ok. Je saute, je redescends. Bam! Faites bien le squat. Hein. Saute. Bam! Allez, ça fait 3. Boum. 4. Boum. 5. Allez, de l'autre côté. Allez, descendez. Côté. Bam. Et je touche le sol. Boum, je pars en tout sec. Boum. Bam. 3. 4. 3 plutôt. 4. Allez, allez, allez. Et 5. Boum. Boum. Ok, relâche. Récupérez, je vous explique un petit peu les exercices qu'on vient de faire pour que vous sachiez pourquoi vous les faites. Premier exercice, typique musculaire. On répète la fente, on répète le squat, plus la fente. Ok, donc on est en fatigue. On est en fatigue musculaire, on a fatigué nos muscles. On enchaîne direct avec boum, toute sa vie. Et là, on a aussi une jambe d'appui qui travaille plus, on va lever. Boum, pour frapper, ok? C'est pareil, on est beaucoup sur le quadriceps et en fait on travaille l'explosivité de la remontée avec la frappe. Deuxième, c'est plutôt un transfert après une pratique, je descends, je saute et boum, à l'arrivée, je suis prêt pour faire mon petit salut, ok? Donc là, ça va être plutôt un temps de réaction que je vais avoir après mon squat, c'est boum, 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 ça s'appelle un transfert.
Donc voilà quelques petites explications pour les exercices. Si vous voulez, vous pouvez me redemander et vous répondrez sur mon Facebook à Finage, pas sur tous les ateliers. Voilà, on enchaîne avec un petit peu de Bach. Donc là, pareil, et là, je vais descendre légèrement plié, ok? Donc si légèrement plié, la boum, je relève le bras, ok? La jambe d'appui, elle fait un léger squat, on ne pourra pas descendre trop bas. Donc je demande juste de descendre comme ça, ok? Je descends comme ça, à ma remontée, j'envoie les pieds. Ok? Si vous êtes en position, on en fera 5 à droite, 5 à gauche. Si en position, je vais monter un petit peu latéral, comme ça. Je descends, boum, je frappe. Celle-là, elle ne se pose jamais. Elle est toujours comme ça. Ok? Allez, tous ensemble. 3, 2, 1. C'est parti. Il faut beaucoup de concentration pour cet exercice. Donc, tout le monde se concentre à la maison. Je descends, boum, et je remets. Je descends, boum, et je remets. Allez. Boum. 3. Maintenez la jambe en l'air. Allez, allez. 5. Et là, vous avez vraiment les deux côtés qui travaillent. Et la jambe d'appui et la jambe qui frappe. De l'autre côté, je mets en position et je descends. 1. Boum. Ceux qui veulent se tenir peuvent se tenir à quelque chose. 2. Boum. 3. Boum. 4. Boum. Allez, dernier. 5. Et je frappe. On l'appuie tranquillement. Allez, on relâche. On va faire une déclinaison. Je suis en tête. Donc, tête. Vous avez ma face, ma bouche en tête, vers vous. Ok? Là, j'étais en pied. Et là, je vais descendre avec mes deux jambes. Je descends avec mes deux jambes, je remonte. Et là, boum, j'envoie tout. Ok? On reste sur la même jambe. 5 fois, les jambes 5 fois. C'est bien compris? Allez, on va partir tous ensemble. Je récupère ça. Allez, c'est parti tout le monde. Jambes droites tous ensemble. 5 fois. Boum. Boum, je ramène. Allez, allez. Boum. Dernier, 6, 6, 6, c'est trop facile. Bon. 6. Même 6, c'est facile d'ailleurs. Allez, de l'autre côté, en place, et c'est parti. Boum, boum, et je remonte. Boum, boum, et je remonte. Allez, allez, on appuie sur le cou, boum, et je remonte. Boum, boum, et je remonte. Dernier, non, avant de remonter, boum, et je remonte. Dernier. 6, 5, et je remets. Ok. Allez. On continue sur le bas du corps. Ok. Et là, on ne travaille jamais les mollets, mais c'est très très important. Donc on est sur les jambes de pied. Je suis à plat, placé la jambe sur l'épaule. 1, 2. Je vais monter 5 fois sur les pointes. Pardon, mais je vais. Je vais monter 10 fois sur mes poings en même temps et après 10 sauts comme si j'étais en fait. Alors vraiment, vraiment, regardez ma pointe comme elle va être sur mes sauts. Je vais être vraiment comme ça pour vraiment travailler tous mes mollets. Je veux que vous sentiez vos mollets brûlés. Je ne suis pas folle, hein, mais je veux que vous sentiez vos mollets brûlés. Allez, on part sur 3 séries comme ça. C'est parti. On monte tous ensemble. Allez, c'est parti. 1, 2, c'est vraiment des exercices qu'on ne pense pas à faire, mais qui sont très très importants dans notre sport. Allez, 5, 6, 7, 8, allez, allez, 9, restez en haut, 10, restez en haut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et là je suis en 7. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 6, 7, 8, 9, 10 minutes. Okay. Allez, les steps, ne compensez pas avec vos fils. On a tous tendance à compenser avec nos fils. Non, moi là, je veux vraiment
qui sont tous les mollets qui travaillent. Ok ? Allez, récupérez une minute ou deux. On enchaîne avec la suite. Donc, une minute sur suite. Sortie au 8 sur 17. On va être sur 1, 2, 3. Et là, ce que je veux, c'est pas de vous sauter. C'est de vous remonter en sautant, vous pointe dessus. Ça doit faire ça. Boum. Ça doit faire boum, boum. Je remonte mes pointes dessus. Je vais les pieds dessus. Ce sont des voisins en bas, si des genoux, moi aussi j'en ai. Mais... Allez, on va suivre. Pour me dire répète, c'est parti. 1, allez, 2, montez bien. 3, on reste. 4, on reste. 5, doucement, doucement à la détente. 6, doucement à la détente. 7, contrôlez votre détente. 8, et là vous allez vraiment tenter de travailler. 9, contrôlez la détente. 10, je remonte pour 11. Et je reste du contrôle, je descends sans jamais toucher mes talons au sol. 2, allez, allez, 3, 4, 5, allez, 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 6, 7, 8, 9, 10, ça peut durer un seul écho. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, toujours là. Allez, récupérez. On va le refaire une dernière fois. On aura vraiment, j'essaye un peu de balayer tout le corps. Ok, aujourd'hui sur la séance. Pour que ce soit un petit peu complet. Et on va terminer par un petit peu de cardio. Ça sera très très court. Ça sera 5 minutes de 30-30, donc 30 secondes d'exercice, 30 secondes de repos. Donc ça va être hyper, hyper tranquille pour vous. Je vous explique l'exercice à la fin. Pourquoi on fait dans cet ordre, pourquoi c'était comme ça et ce que ça donne. On enchaîne sur notre troisième série. C'est parti, tout le monde ensemble. Allez, 1, je redescends très doucement à chaque descente. 2, 3, allez, allez. 4, ça brûle, c'est tant mieux. 5, 6, 7, 8, allez, 9, et 10, et là, je monte, et j'en fais 10 sans jamais poser les talons. 3, 4, posez pas les talons, 5, si c'est là, ça brûle vraiment, 5, allez, 8, 9, 10, je pose des triquets, et là, le saut, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ok, allez, récupère un petit peu, récupérez, donc, exercice du mollet, super important pour nous, les taekwondoïs, comme je vous disais. On commence d'abord pour faire 10 répétitions. Ça peut être 12, ça peut être 15, c'est vraiment selon votre niveau et votre capacité. Donc nous on a fait 10. C'est 10 en maintenant et la descente très très douce et très lentement. Ensuite, j'en fais 10 encore sans jamais poser mes talons au sol, c'est-à-dire que je fais 1, 2, 3. Et le dernier, c'est des sauts, ok, pour l'élasticité pardon, du muscle. Et l'explosivité de départ pendant un coup de pied. Voilà les exercices du mollet. Je ne sais pas du tout, ça fait 40 minutes qu'on fait la séance, on va faire notre cardio tout de suite, et puis on fera une bonne fin avec un bon retour au calme. Ok ? Allez, tout le monde en place. Déjà un petit coup de talon, je ne vous fais pas de voir avant le cardio, je vous ai lâché. Premier exercice. Ok, super simple. Et là, je vais continuer de ce là, en avançant, en reculant, au côté. Vous choisissez, mais là, je vais plus vite possible. On vient de travailler les mollets, donc je travaille directement sur les mollets. Et vous, directement, le plus vite possible. Ok ? On part pour 30 secondes comme ça. Et on démarre dans 3, 2, 1. Et c'est parti tout le monde. Allez, allez, je vous donne le temps. Okay. On est sur les mollets. On a fait vers ce petit minute. On travaille les possibilités, la rapidité, les sensations au sol. Allez, allez, allez. Allez, tout le monde, allez, allez, allez. On s'accroche, on s'accroche, on s'accroche, tout le monde. Allez, 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 tout le monde, allez, on s'accroche, ça passe 5 secondes. Boum, boum. Allez, 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 allez. 5, 4, 3, 2, 1, et je récupère tranquillement. Allez. Allez, on s'accroche, il nous reste 4 minutes. Donc, 4 exercices de 30 secondes. Prochain exercice. Donc, 1, 2, 3. Et très rapidement, ok?
Le plus vite possible. Prends notre seconde, j'accélère. Boum, 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 boum. Allez, tout le monde. Encore 10 secondes de récup. Récupérez bien à la maison. 10 secondes. Allez, 3, 2, 1. Et c'est parti pour le montée du monde. Allez, 1, 2, 3, 4. On s'accroche, on s'accroche. Encore 3 exercices de cardio. 3 exercices, c'est rien. C'est rien dans une journée. Allez, on s'accroche. Continue l'exercice, on se souffle. Jumping. Enfin, moi, je n'aime pas trop. Mais il est très très bien parce que ça vous permet de tonifier les jambes et de les assumer. Et vraiment, c'est un travail de mouvement des jambes. Tout ce qu'on a besoin dans ces jambes. On part dans 5 secondes. Allez, on s'accroche. Faites-le bien penser comme si vous étiez en mouvement que ça allait vous servir pour vos têtes, pour vous dépasser. Allez, 3, 2, 1. Et c'est parti, tout le monde. Allez, 1, 2. Allez, allez, on s'accroche. On va le plus vite possible. Comme si vous faisiez un petit temps sur la neige. Oui, le petit temps, c'est moi qui vous souhaite. Allez, 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 allez. On continue un peu. Tiens, c'est bon. Tiens. Un exercice, je vous montre, ok, et je descends, j'assume, j'ai plusieurs variantes, variante numéro 1, côté là, boum, 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 ok, pour les mamans, la deuxième ici, ça comme ça, je pense qu'elle fait, et la deuxième variante qui est là, c'est là, boum, boum, ok, allez, c'est parti, dans 5, 4, vous choisissez, 2, stop, c'est parti, allez. Allez, on a 20 secondes. Allez, 4, on est en 5. 4, allez, allez. 3, 2, dernière. 1. Récupérez. Là. Allez, récupérez. Dernier exercice de 30 secondes. Et on passe au meilleur moment. Dernier exercice, super simple, ça vous fait. Comme si vous couriez le plus rapidement possible. Allez, c'est parti. 5, 4, 3, 2, 1. Et continuez. Allez, vas-y. 2, 2, 2, 3, 4. Allez, allez, allez. Boum, boum. Allez, allez, vas-y, vas-y. Allez, allez, courez, 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 courez. Allez, 5, 4, 3, 2, 1, et stop, relâche. Allez, relâchez tous. C'est le moment pendant le retour au calme de vous poser toutes les questions que vous avez en tête, les demandes, les incompréhensions, un peu tout, d'accord? En attendant, j'y réponds.
pied tranquille, les jambes devant. Ok, et là, j'attrape. Sur mes talons, sur mes poings, et je sors. Je suis bien bouché la tête pour étirer un petit peu la nuque, les jambes. Et là, c'est vraiment le moment relax, ok? Respirez profondément, relâchez. J'attrape mes talons, les cassés. On respire bien. Fessiers. Les jambes pliées, dos bien droit, genoux, face et poitrine. Et je tire vers moi. C'est une légère torsion. Et on dit. Vers l'extérieur. Allez. Variante. Bouge. Je maintiens. Récupérer cette résistance. Soufflez bien. Et encore, sur ma 90 degrés, je suis parti devant. Et là, on est vraiment à la distance. Vous voyez, ce n'est pas une séance super super longue, ce n'est pas une séance super super dure non plus, mais on a travaillé quand même. Allez, on reste en sauteur de haie, on bascule sur le pied encore une fois. On a travaillé et j'espère que vous n'avez pas lâché, que vous vous êtes dépassé. Comme quoi, on n'a pas besoin de matériel, on n'a pas besoin de faire une énorme séance, juste se bouger un petit peu, se motiver, et vous êtes très 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 bien. Allez, on bascule sur quoi du derrière. Okay. Et allez, je fais la même chose, le même cercle de l'autre côté, j'attrape mon pied. Je vais me faire la poitrine, je vais me faire les autres côtés. Et là, je vais me faire bien. Ok, allez, variante, boum. J'espère que d'ailleurs votre premier jour de cette nouvelle semaine s'est bien passé. Allez, on va suivre devant. On va se réaliser, je vais descendre devant. Que votre semaine s'est bien passée, que tu travailles, ça se passe bien au travail. Que tu sois en télétravail, ça se passe bien à la maison. Et puis, que vous êtes en forme et que vous gardez le smile et que vous productivez. Voilà. Allez, je pense, je reste un peu sur du haie, mais je prends ma jambe et je porte devant. Allez, je porte devant, détendre tout le haut du corps pour laisser le tomber sur la cheville. Ok, allez, une fois du cerf, je porte derrière. Vous avez un appui qui est beaucoup mieux. Donc, c'est pour la cheville, comme d'hab. Laissez aller. Voilà, c'est bien. Je fais. Allez, on se met en face. Ok, je descends devant. Je pose les coudes. Allez, c'est bien de prendre les épaules devant.
la tête, le buste, essayez de toucher le sol, on bascule du côté droit. Ouais, profitez bien de ce moment un petit peu de temps, là, si c'est bien. Alors, je vais faire un petit peu les abdos parce qu'on les a pas mal sollicités aujourd'hui. Donc, pareil, toujours, et là, là, je tiens bien. Respirez en même temps, et allez, grandissez-vous, allez chercher un maximum vers l'arrière de la tête, pour ceux qui peuvent. Laissez tomber le bas. Et de l'autre côté, pour le dos, et on tourne vers les bras. Et je vais le dos encore une fois. Allez, et le soir. Je rentre ma main à l'intérieur, et là, le fond de soir, c'est vraiment de sentir. On peut le faire sur la main aussi, ça fait juste attention à vos amis. Et de l'autre côté, vraiment, c'est juste la manière qui va être plus fonctionnelle. Par exemple, au fond de cette tête, c'est de tout commencer à me relever et à serrer le bras. Essayez la manière de faire le mieux à chaque fois. Et si vous faites un exercice qui ne sentez rien, qui ne sert à rien, et vous avez tout ce nécessaire, on ne sent rien, ça. Je relâche, avec grenouille, finir. Là, plus devant, plus encore sur le soir. Et de l'autre côté, hop. Bien la position. Ok, on finit avec les mollets. Parce qu'on les a travaillés. Donc on ne tape pas. Hein. Bon. Et je vais les poser. Voilà, bah écoutez, on vient de terminer cette petite séance de renforcement musculaire. J'espère que ça vous a plu et que...